Avant de parler de votre enlèvement et de votre libération, il y a cette information qui pourrait faire l'effet d'une bombe. Vous dites en effet que vous détenez des preuves selon lesquelles ce sont les rebelles eux-mêmes et pas le régime de Bachar el-Assad qui ont utilisé des armes chimiques le 21 août dernier. C'est bien ça je n'ai pas dit ça exactement. Pour le moment, pour une question éthique, nous sommes déterminés, Domenico et moi, à ne pas sortir l'information. C'est un petit peu logique. Euh, en Italie, Domenico doit d'abord passer par la magistrature avant pouvoir, de pouvoir développer ce, ce que nous avons vu sur place. Euh, donc quand la stampa pensera que le moment est venu de, de détailler cette information, euh, je le ferai en... en au même moment dans, dans le média de, de mon choix ici en Belgique. Euh, cela étant dit, effectivement, c'est un devoir moral de, euh, que nous avons, Domenico et moi, de, de le dire. Euh, le, ce n'est pas le gouvernement de Bachar al-Assad qui a utilisé euh, les gaz sarin ou autre gaz de combat dans la, la banlieue d'Amassène, d'Al-Ghouta. Euh, ça, nous en sommes certains suite à une conversation que nous avons surprise. Euh, et même s'il m'en coûte de le dire, parce que depuis, depuis mai 2012, je soutiens férocement l'armée la, syrienne libre dans sa juste lutte pour la, pour la démocratie. Vous avez conscience, Pierre Pichinin, que, que c'est un pavé dans la mare qui va à l'encontre des combats qui sont menés pour l'instant par plusieurs pays, comme les États-Unis ou la France, qui, qui souhaitent engager des frappes contre le régime de Damas. Alors c'est effectivement quelque chose qui nous a posé problème dès que nous avons été euh, mis au courant de cette réalité. Euh, nous étions, c'était le 30 août, nous étions à, euh, à babalawa, dans, dans la, à la caserne, dans la centrale de, de l'armée libre partagée avec euh, le mouvement Al-Farouk. Et pour nous, quand nous avons entendu ce que nous avons entendu, euh, on avait un peu la tête en feu parce qu'on avait eu quelques informations avant. Euh, selon laquelle effectivement les États-Unis euh, principalement avaient l'intention de, de, de punir le régime, d'intervenir. On avait la tête en feu parce qu'on était là euh, prisonnier, coincé avec cette information et il était impossible pour nous de la délivrer.